Les enfants, j'ai une mission pour le FBI. Ça fait 3 jours que je ne vois plus mon vieil ami Balthazar Percy. Et je m'inquiète. Celui qui se déguise tous les ans au Père Noël pour distribuer aux enfants du quartier les jouets qu'il fabrique? Oui, c'est lui. Le FBI devrait faire un petit tour à son appartement pour voir s'il ne lui est rien arrivé. Pas de problème, on s'en occupe. On va le retrouver, le Père Noël de Little Bombay. Parlons de Père Noël, qu'est-ce que tu vas leur offrir à tes parents, toi? Je sais pas trop, en ce moment je travaille sur une brosse qui fait à la fois les cheveux, les dents et les chaussures. Bah, dégueu! Moi je vais tricoter une écharpe à Madame Apu et fabriquer un dessous de plat à mon père. Je crochette? Ça va pas? On va d'abord sonner. Ah, Monsieur Percy, vous êtes là? Notre enquête la plus rapide. Oh, j'aurais dû chronométrer. Depuis qu'on m'a volé mon costume de Père Noël, je n'ai plus le cœur à sortir. Comment ça, voler? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé le chercher à la cave pour l'aérer avant Noël et il avait disparu. Je tiens énormément à ce costume. C'est ma fille Adèle qui me l'a cousu. Ne vous inquiétez pas. On va vous le retrouver avant Noël et vous pourrez faire votre tournée des enfants. Merci. Je suis très honoré que le fameux FBI accepte de m'aider. Enquêtez pour le Père Noël de Little Bombay, l'honneur est pour nous. Une dernière chose. Pouvez-vous nous décrire votre costume? A-t-il quelque chose de particulier? Non, il est rouge et blanc. Ah si, il y a un accro. Là, je l'ai réparé comme j'ai pu avec un morceau de tissu à fleurs. Ça ne se voit pas, c'est caché par la barbe. La serrure n'est pas abîmée. Elle a dû être ouverte en douceur avec un passe-partout. Et aucune empreinte. Le voleur avait des gants. Et il savait très exactement ce qu'il voulait. Il n'a touché à rien d'autre. C'est quoi ça? Une méga girl. Ça vient d'un porte-clés. Vous êtes fan de méga girl, Balthazar? Non. Je m'en doutais un peu, c'est sûrement le voleur qui l'a perdu. Allons voir la concierge, elle a peut-être vu quelque chose. Balthazar s'est aperçu du vol il y a 3 jours. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de suspect rôder dans les caves? Non, tous les locataires ont un box dans la cave et ils descendent souvent. Chacun a sa clé, moi seul j'ai un passe-partout pour ouvrir toutes les portes. Vous voyez qui aurait intérêt à voler le costume de Balthazar? À part moi, personne, vu que tous les ans je ramasse le crottin du poney que Balthazar loue pour tirer son traîneau. Mais je lui en veux pas, il a toujours gâté mon Kevin quand il était petit. Salut, man, pas le temps de tes soirs pour les poubelles. J'ai rendez-vous avec Christina. Bye. Depuis qu'il est amoureux, je les vois plus beaucoup. Le porte-clés de la concierge est intact. La figurine de Mega Girl vient d'ailleurs. Ouais, n'empêche qu'elle peut ouvrir n'importe quelle porte avec son passe. Et en plus, elle a un bon motif. Ramasser le crottin du poney tous les ans, c'est l'horreur. Bob Caponi, le caïd du collège? Qu'est-ce qu'il fait là? Bob, attends, y a quoi dans ce carton? Bob n'a pu que rentrer dans un de ses appartes. Mais lequel? On va se renseigner et voir ce qu'il fabriquait à la cave. D'après la concierge, le box des Caponi est le 88, juste à côté de celui de Balthazar. Mon petit Bob, la piste se resserre sur toi. Waouh! On tient notre coupable. C'est clair, Bob fait un trafic d'objets de Noël. Bob, c'est toi? Ouvre tout de suite! C'est le petit fouineur du FBI, vous faites moi les malins, hein! Ok, je vais appeler chez moi avec mon portable! À 10 mètres sous terre, bonne chance pour avoir du réseau, Sally! Bonne nouvelle, Bob, ça passe quand même! Je me mets sur haut-parleur! Allô? Papa, c'est moi! Sally! C'est pas le moment! Je prends un café avec mon grand ami, le commissaire de police! Non, Sally, raccroche! Ok, je vous ouvre! Mais faut me promettre de ne rien dire sur ce qu'il y a dans ma cave, hein! D'accord, Bob! Silence total! Juré! T'as pas honte de faire du trafic d'objets de Noël? Quoi? Mais je trafique rien! J'ai tout acheté, c'est ma collection depuis que je suis tout petit! Ah ouais? Et le costume de Père Noël que t'as volé à Balthazar? Tu l'as mis où? Non mais ça va pas, j'ai pas volé Balthazar, moi c'est grâce à lui si j'aime Noël! Alors pourquoi tu t'es sauvé si t'es pas coupable? Je veux pas qu'on sache que je fais cette collection, j'ai ma réputation! Mais y a pas de honte à aimer Noël? C'est le meilleur moment de l'année! Je vais vous aider! Noël sans Balthazar en costume, c'est plus Noël!
D'après Balthazar, son costume a été volé récemment. Et vu qu'on approche des fêtes, c'est sûrement pour l'utiliser. Excellent raisonnement, Bob. À quoi peut bien servir un costume de Père Noël? À se déguiser en Père Noël, quoi. Mais oui, c'est ça. Il y a des dizaines de Père Noël qui travaillent dans les rues pendant les fêtes. Trouvons le costume raccommodé par Balthazar et notre voleur sera dedans. Bravo, Bob. Ouais, mes gars, on peut repérer tous les Pères Noël de la ville. Tes gars? Ouais. Stan l'obscur, Renan la fouine, Phil le fêlé, Tom la débrouille. Avec eux, elle va pas traîner, votre enquête. 21 Pères Noël répertoriés. Super boulot, les gars. Il ne nous reste plus qu'à regarder sous leur barbe pour voir si leur costume est rapiécé. Tu te rends compte qu'on est en train de travailler avec les pires phénomènes du collège, là? C'est ça, la magie de Noël. Alors, les gars, vous auriez pas un truc à me conseiller comme cadeau pour mes parents? Une migale, mec. Ça fait toujours plaisir. Ah ouais, c'est cool. On va faire ça à la Bob style. Génial, Bob. On y va. Génial, Bob. Ça foire, dispersion. Au suivant. Une barbe à contrôler avant le réveillon, c'est trop long. On n'y arrivera jamais. Il faudrait pouvoir les vérifier tout en même temps. Mais comment? Et si on organisait un concours du plus beau Père Noël? On les fait défiler et quand ils descendent du podium, on leur fait des croche-pattes et on regarde sous leur barbe. Génial, Bob. Ah ouais, génial, Bob. Faire tomber des Pères Noël, excellent. Et on les interroge où, à l'hôpital? Mais non, c'est pas ça qui est génial. C'est l'idée d'une fête de Père Noël. On va tous les inviter chez Balthazar. Faut juste voir s'il est d'accord. Pourquoi pas? C'est une excellente idée, cette petite fête de Père Noël. Je marche, Sally. Et Kevin nous donnera un petit coup de main pour tout préparer. C'est OK, Dewey. Tu peux donner les invitations à Bob et à sa bande. Bienvenue, merci d'être venu. La fête est au quatrième, deuxième porte à gauche. Suivez les guirlandes. Merci. Eh ben, c'est déjà Noël pour eux. Et vous, mon cher confrère, depuis combien de temps donnez-vous un coup de main au Père Noël? Oh, ça fait 15 ans que je distribue des jouets aux enfants du quartier. C'est le sèche-cheveux de ma mère que j'ai bricolé. Une heure d'autonomie, soufflerie renforcée. Alors, on discute de traîneau? Oh, vous avez des miettes, là? C'est pas lui. Et à me contrôler, au suivant. Balthazar, on a vérifié tous les costumes et on n'a pas retrouvé le vôtre. Tant pis, ce n'est pas grave. Cette fête m'a fait plaisir et m'a redonné du courage. Costume ou pas, je vais quand même faire ma tournée cette année. Aïe! Oh, je l'avais oubliée, celle-là. Hé, hey, mais attends! La copine de Kevin, elle avait une Mega Girl sur son sweatshirt. C'est sûrement Kevin qui lui a offert. Il a toujours été fan de Mega Girl. À chaque Noël, il en voulait une. Ça doit te manquer, Kevin. Super, mais où est-ce que tu l'as trouvé? Dans la cave de Balthazar. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ton sac de sport, Kevin. Tu nous montres? Kevin? Allô, Bob, on est dans les caves. Kevin nous a semé. Il a dû aller se planquer dans son box perso. C'est le 53, je crois. Kevin, c'est fini. Donne-nous le sac. Laissez-moi partir. Si vous pensez que vous allez m'empêcher de passer tous les deux. Ils sont pas que deux, il y a nous. Tu sais, c'est pas beau de voler le Père Noël. Et si tu rends pas le costume, ça va être ta fête. Compris, mec? Kevin, pourquoi t'as fait ça? Je l'ai juste emprunté. Je l'aurais remis avant le soir de Noël. J'en avais besoin pour faire un petit boulot au supermarché. Je voulais gagner de quoi offrir un beau cadeau à ma copine. T'aurais pu demander à Balthazar de te le prêter. Ouais, je sais. Mais je pensais qu'il le verrait même pas. D'habitude, il va jamais chercher son costume aussitôt. Je l'aime beaucoup, Balthazar. Je vais aller m'excuser auprès de lui. Tant que tu y es, rends-lui ça. Et pour ta copine, pas de stress. À mon avis, c'est pas pour les cadeaux qu'elle est avec toi.
réveillons Macadam Bollywood. Excellente idée, les enfants. Oh, oh, oh! Je suis venu apporter des cadeaux aux petits Harry, Elisabeth et Philippe. S'ils ont été sages, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu leur offres finalement à tes parents? Une écharpe tricotée et un dessous de plat. Quoi? Bah t'es pas gêné? T'as carrément copié sur moi? Ouais, mais moi l'écharpe et le dessous de plat font toki-woki pour qu'ils puissent toujours rester en contact. Ils n'ont pas de téléphone portable, tes parents? Si, mais au cas où ils auraient plus de batterie. Alors, Bob est génial, hein? Ok, mais moi aussi. Jérémy, pas la dévorer. C'est le petit chaperon rouge, la comédie musicale, pas l'attaque du loup-garou tueur. Désolé, devinera. Le script. Maintenant, rentre à prendre ton rôle et n'oublie pas, moins de carnivores et plus de carnaval. À nous, Cindy chérie, on va travailler le grand numéro de danse du chaperon rouge. Et 5, 6, 7 et 8. Entre chat. Oh, fantastique, Cindy. Waouh, tu vas faire sensation dans le rôle du chaperon rouge. Saboter le spectacle du collège. C'est pas comme si on était des stars. Le show business, Coco, c'est jalousie, rivalité et compagnie. Et c'est rien de le dire. Il s'est passé quoi? Bah, mon deuxième petit chaperon rouge, Cindy, s'est blessé mystérieusement. Et il y a deux jours, mon premier chaperon rouge, Alma, s'est également blessé pendant la répétition. Deux accidents en trois jours? C'est carrément louche. On part sur la scène du crime. Cette corde a été coupée! C'est clairement un sabotage. Celui qui a fait ça connaissait bien la danse du chaperon rouge. Le sac est tombé pile au bon moment. Alors le saboteur fait forcément partie de la pièce. Pour le démasquer, on va devoir se joindre à la troupe. Dewey et moi, on enquêtera sous couverture sans éveiller de soupçons. Rejoindre la troupe? C'est une comédie musicale. Vous savez danser et chanter? Je ne suis pas vedette que pour les enquêtes. Quand je danse sur la piste, je deviens une artiste. Donnez-moi là et je chanterai à tue-tête. Je vous surprends peut-être, mais c'est Sally aussi. Bienvenue dans ma troupe, chérie, tu joueras mère grand. Je me réservais le rôle, mais même toi, tu peux la prendre en une journée. Et toi, Lord Louis, tu sais jouer? Moi? Acteur? Je prends ça pour un nom. Tu seras dans la comédie musicale de l'école? Oui, c'est moi qui joue Mère Grand. Madame Apu, vous avez des conseils pour faire plus vieille? Comment? Maman Gouste, je suis beaucoup trop jeune pour te donner des conseils pour avoir l'air vieille. Oh, 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 mon pauvre dos. Je me sens comme un cobra qui aurait rencontré une mangouste. Mère Grand n'a pas un rôle compliqué, Sally. Super, j'aurai le temps d'enquêter quand je ne jouerai pas. Oh. Alma, chérie, comment va ta jambe? Beaucoup mieux, Devindra. J'ai entendu dire que Cindy était blessée et je pensais reprendre le rôle du chaperon rouge. Je me souviens encore de la chorégraphie. Oh, tu es vraiment courageuse, mon chou. Mais tu devrais te reposer jusqu'à ce que ta blessure soit complètement guérie. Sinon, tu vas te faire mal. De toute façon, j'ai déjà trouvé une remplaçante. Dis donc, tu te fais ça comment, Alma? C'était pendant la répétition, il y a quelques jours. Tout se passait bien.
Quand soudain, le pied du grand méchant loup s'est retrouvé sous ma route et vlan, je venais de perdre le rôle du petit chaperon rouge. Donc, selon toi, le grand méchant loup a fait exprès de te faire tomber. Exact. Il est joué par Jérémy de l'équipe de football américain. On l'a forcé à participer au spectacle. Personne ne voulait mettre le costume de loup, mais Jérémy ne voulait pas jouer dans la pièce et je suis sûre qu'il essaye de la saboter pour qu'elle soit annulée. Dewey, faut surveiller ce Jérémy. J'ai peur que le vrai méchant loup soit en vérité à l'intérieur du costume. Qu'est-ce que tu fabriques ici, petit? Désolé, monsieur, j'apprends mon texte pour la comédie musicale du collège. Dans un placard à balai? Ben, j'ai peur que mes potes du sport se moquent de moi en découvrant que je prends le rôle trop à cœur et... Et ça te plaît? J'adore ce rôle. D'abord, j'ai refusé de jouer. Mais depuis, je me suis rendu compte que c'était amusant. Et il y a mieux, je rencontre plein de filles. Vous pouvez me faire répéter pendant que je mets mon costume? Oh, mère grand, comme vous avez de grands yeux. Ensuite, Mère Grand va vers la porte de la chaumière, lentement, elle ouvre et... Poil à gratter! T'es déguisé en quoi? En Jack le concierge, qui a découvert que Jérémy n'est pas notre saboteur. C'est sûr qu'il a pas pu mettre du poil à gratter dans son costume. Qui d'autre pourrait saboter le spectacle? Je déteste ce boulot. Jasmine, l'assistante de Devindra. Ben Brève du journal du collège. Je ponds un article sur le monde du spectacle. Comment tu en es arrivé là? Psst, Sally. Dewey. Ne ris pas. Déguisée en journaliste, j'ai découvert que Jasmine avait postulé au départ pour être metteuse en scène, mais le collège a préféré Devindra. Donc, elle a un mobile, la jalousie. Attends, et c'est pas tout. Elle m'a même dit que cette comédie allait virer à la tragédie. Bien joué, reporter. Je veux dire, détective. Non, je ne veux pas saboter le spectacle. Mais t'as dit que ce spectacle serait une tragédie. Bah oui, mais seulement sur le plan artistique. Cette école monte la même comédie musicale tous les ans. Il serait temps de changer. Oui, je sais, mais le public n'a peut-être pas envie de changement. Et c'est trop tard pour changer quoi que ce soit. La première a lieu ce soir. Mais si Jasmine n'est pas le saboteur, alors qui? J'en sais rien. Surveille tout le monde en coulisses. Moi, je me charge de la scène. C'est encore le même spectacle que l'an dernier. Jusque-là, tout va bien. Sauf que tu m'as fait avaler mon script. C'est ma fille sur scène. Ah, mon pauvre dos. Je me sens comme un cobra qui aurait rencontré une mangouste. Elle joue vraiment bien, la vieille dame. Je me demande qui lui a appris. Bravo le SBI, la pièce se déroule sans encombre et Jérémy connaît même ses répliques par cœur. C'est parce qu'il a développé un intérêt pour le théâtre maintenant. C'est une tragédie. Il ne reste personne pour jouer le chaperon rouge. Je dois annuler le spectacle, ma carrière est ruinée. Non, attends, Dewey peut jouer le petit chaperon rouge. Quoi? Mais je sais pas jouer, j'ai le trac et je vais encore m'évanouir. Mais bien sûr que tu sais jouer. Jérémy t'a même pris pour un concierge et Jasmine pour un journaliste. Le trac, c'est seulement dans ta tête. Mais je connais pas le texte du chaperon rouge, moi. Tout le monde connaît le texte par cœur. Mère grand, comme vous avez de grands yeux. Enfin, tu vois quoi. Sally a raison. Allez, enfile vite la robe du chaperon rouge. Le spectacle doit continuer. Encore plus ennuyeux que l'année dernière. Si ça continue, on va arrêter les pièces à l'école. Vas-y, Dewey, t'en es capable. Crois-moi. Mère Grand, comment...
comme vous avez de grands yeux! C'est pour mieux voir que tu n'es pas du tout le vrai petit chaperon rouge. Toi, tu es un usurpateur. Tu es ce fouineur de détective, doué. Oh, ça change vraiment de l'année dernière. Oh là là, c'est pas dans le script. Merdant, comme vous avez de grands bras. C'est pour mieux détruire ce stupide décor, mon enfant. Regarde, le grand méchant loup, il boite. D'accord, j'ai compris. Tu n'es pas le vrai grand méchant loup. Tu es notre saboteur. T'as raison, Mergon. Mais personne ne peut plus m'arrêter maintenant. Ah, c'est nettement plus vivant que les autres années. Quelqu'un m'a jeté dans l'armoire et m'a volé mon costume. Et cette personne était... Alma. Alma était le premier petit chaperon rouge et elle était désespérée quand elle a perdu son rôle à cause d'un véritable accident. Mais Alma pensait pouvoir reprendre le rôle et c'est pour ça qu'elle a éliminé sa remplaçante. Mais quand Devindra a refusé qu'elle revienne, elle n'a pas supporté l'idée que la pièce allait continuer sans elle. Alors elle a essayé de saboter tout le spectacle. C'est vrai, désolée d'avoir tout saboté, mais j'avais peur de ne plus jamais pouvoir participer au spectacle de l'école. Elle pleure pour de vrai ou elle joue? Ça a quand même l'air très réaliste. Ma pièce est un désastre. Pas forcément. Il suffit de convaincre le public que ça fait partie du show. Psst, Sally, envoie la chanson. Après tout, c'est une comédie musicale. On a trouvé le suspect. Le spectacle est en place pour continuer. Le show va finir en beauté. Quand on est sur la scène, il faut improviser. Le FBI a assuré. L'enquête et la pièce seront un succès. Talent, les enfants, quel talent! On espère que vous ferez le prochain spectacle. C'est chouette, mais je préfère résoudre des enquêtes. Mais je sais pas ce qu'en pense mon partenaire. Être ou ne pas être, telle est la question. Youhou! Hé, hey, Madame Sfez, c'est vrai que le trajet le plus court entre deux points, c'est une droite, comme ça. Hé, oh, c'est vrai que si on fait un cercle sur soi-même avant de lancer un projectile, on augmente sa vitesse. Arrêtez, je vous demande de vous arrêter. Ouais. Si c'est comme ça, je jette l'éponge. Acrobate, vous avez le choix, descendre illico ou me réciter le théorème de Pythagore 50 fois. Je m'appelle Mademoiselle Chicago. Je suis votre nouvelle prof de maths et je veux entendre les mouches voler. Parfait, vous deux là-bas, récitez-moi la table de 7 en faisant le poirier immédiatement. Sinon, vous me recopierez votre manuel de maths pour demain. 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 7 fois 4, 28. C'est quoi cette prof, un bourreau, une sorcière? Les maths, c'est l'horreur. Je veux plus aller en cours. Mademoiselle Sfez est partie à cause du bazar. Et celle qui la remplace est bizarre de chez bizarre. Rani et Alex ont été obligés de faire le poirier et Jessica a corrigé un exercice à cloche-pied. Ma petite mangouste, n'oublie jamais la règle numéro 1 du détective, ne pas se fier aux apparences. Elle est peut-être aussi bonne prof qu'elle est bizarre. Des clients au FBI, ça au moins c'est normal.
Mademoiselle Chicago, elle nous connaît même pas. Elle, on lui a rien fait. Et vlan, des punitions comme s'il en pleuvait. Faut que le FBI trouve pourquoi elle nous a dans le collimateur. Après le cours, elle nous a fait compter jusqu'à 1000 sur l'air de Au clair de la lune. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est bon, pigé. Oh, c'est affreux. Comme punition, hein. Enquêter sur une prof, je le sens pas trop. Mais tu dois être motivé. Elle trouve Mademoiselle Chicago si bizarre qu'elle veut plus retourner en cours de maths. Comment tu m'as entendu? T'étais caché sous la table de la cuisine ou quoi? Ma nouvelle merveille, la sonodouille. Ça capte les ondes sonores à distance. Quand même, où est-ce que je vais chercher tout ça? Tu m'as espionné? C'est génial, hein. Vous allez faire l'enquête ou pas? On va faire mieux qu'une enquête. On va aller voir le principal. Un chef d'établissement doit être au courant quand ses profs sont injustes, non? Non, non et renom. Mademoiselle Chicago restera ici depuis quand les élèves choisissent leur professeur. D'accord, mais expliquez-nous au moins où est partie Mademoiselle Svez. Et pourquoi sa remplaçante a débarqué aussi vite? Tout ça ne vous regarde pas. Et maintenant, sortez de mon bureau. C'est quoi le plan B maintenant? On se débrouille tout seul? Exactement. Quelle idée d'avoir un nom de ville. Il y en a que pour Chicago, États-Unis et Al Capone. Et on dirait qu'elle habite nulle part. Aucune Mademoiselle Chicago dans l'annuaire. Une prof de maths, ça doit être sur le site des diplômés. Il y a Chicabou, Chicatar, mais pas de Chicago. Alors c'est pas une prof de maths. Résumé, on ne sait rien de rien. C'est quoi le plan C? Enquête sur le terrain. Passe-moi ton sonodouille. Sonodouille. Tu veux faire quoi? Bah, comme toi, espionner. Et bah moi, je retourne voir Mademoiselle Svez. Lui dire qu'il faut qu'elle revienne parce qu'à sa place, on a une prof zinzin et sans diplôme. Chicago et chez Plantier. Comment il marche ton sonodouille? Sonodouille. Appuie sur on, c'est tout. Si ça marche pas, c'est que t'as appuyé sur off. J'arrive chez Mademoiselle Svez. Bonne chance. Le calme est revenu, les élèves suivent les cours, c'est parfait. Voici mon cadeau. Merci, Mademoiselle Chicago n'avait plus rien à se mettre. Bien, je dois y aller. Je dois vous prévenir, Sally et Dewey m'ont posé des questions à votre sujet. Méfiez-vous. Si jamais ils fouillent de trop près, menacez-les. Renvoi du collège. Trouve un plan D. On risque d'être viré si on continue l'enquête. On arrête tout, c'est beaucoup trop dangereux. Non, on va pas se laisser intimider par des menaces. Surtout que ça sent très louche tout ça. Plantier fait des cadeaux à Mademoiselle Chicago. C'est pour ça qu'il la couvre. Ils sont amis. Alors, on continue? Exactement. Ben quoi? J'ai rien dit. Sally, je frappe chez Mademoiselle Svez depuis une demi-heure, mais personne répond. J'en ai assez, je pars. Non, tu bouges pas! En plus, à cause de ton coup de fil idiot, Mademoiselle Chicago a failli me repérer. Je risque gros pour cette enquête. Alors toi, tu peux bien rester sur place. Il s'est bu. Oui, va-t'en! Quoi? Mais il y a pas 5 secondes, tu me disais de rester. Qu'est-ce que tu fiches là? Toi, qu'est-ce que tu fiches là? Qu'est-ce que vous fichez là? Je suis impatiente d'entendre une explication logique à votre présence ici. On venait voir Mademoiselle Svez, on faisait rien de mal, alors pas de punition, par pitié. Vous punir pour être venue voir Constance? Quelle idée! D'abord, elle est partie, tour du monde. Elle m'a prêté sa maison. Ensuite, vous avez goûté? J'ai une incroyable confiture de poulpe. Pourquoi Mademoiselle Chicago ne nous a pas punis? Parce qu'il n'y a aucune raison. Tu es une petite mangouste sage. Oui, mais toi tu me connais, Mademoiselle Chicago non. Elle nous trouve en train de l'espionner et au lieu de s'énerver, elle nous propose de la confiture de poulpe. Peut-être que c'était une punition déguisée. Sally, je sais que tu n'aimes plus les maths, mais quand même, pour réussir une enquête, rien ne vaut un peu de logique. Mademoiselle Chicago habite chez Mademoiselle Svez. Oui, donc elles se connaissent bien. Et elle punit qui dans la classe? Mais oui, Mademoiselle Chicago punira Annie et Alex, ceux qui mettaient le bazar dans le cours de Mademoiselle Svez. Oui, il faut qu'on interroge tous les élèves du collège punis par Mademoiselle Chicago pour savoir s'ils ont tous fait des bêtises avec Mademoiselle Svez. Avec Svez, j'avais un coussin ultra rigolo pour faire rire la classe. Mademoiselle Chicago, elle m'a obligée à corriger les exercices des deux mains. Avec Mademoiselle Svez, je faisais de la spéléo sous les tables. Mademoiselle Chicago, elle m'a fait réciter tout Pythagore en me faisant porter des dictionnaires sur la tête.
Moi, j'avais ma super blague, me lever peu à peu. Je finissais tous les cours de Mademoiselle Suez debout. Mademoiselle Chicago, elle m'a fait dessiner 250 triangles isocèles. Même si ça me plaît pas, je suis concentrée. Je comprends les cours. Toute la classe devient bonne en maths. Ok, résumons. On a une prof apparemment sans diplôme de prof, mais qui transforme ses élèves en craques de maths. Amie avec Plantier, notre ancienne prof. Ça fait beaucoup de mystères ou de secrets. Les secrets d'une femme, on les trouve où? J'en sais rien, mais ça m'intéresse. Dans son sac à main. Hop, une petite équation du troisième degré, ça va les calmer. Mademoiselle, je sais que le cours va débuter, mais j'ai très mal au ventre là. Vous pouvez m'emmener à l'infirmerie? Ok, pas de temps à perdre. Mon sac, macadam, attendez-moi là. Mademoiselle Chicago a le passeport de Mademoiselle Suez. Mademoiselle Suez peut pas être partie faire le tour du monde sans son passeport. Chicago lui a forcément volé. Faut qu'on retourne chez Mademoiselle Suez. Petit 1, on sait pas si Mademoiselle Chicago a volé Mademoiselle Suez. Petit 2, si Mademoiselle Chicago nous trouve, on est viré. Et grand 3, je suis grillé à vie avec l'infirmière. J'ai jamais vu un ventre en aussi bon état. C'est pas plutôt une crise d'hématophobie, jeune macadam? Énorme 4, Sally Bollywood n'abandonne jamais une enquête. Gigantesque 5, si t'as la trouille, j'irai toute seule. Faut remettre le passeport dans le sac de Mademoiselle Chicago. Les élèves sont stressés, mais je ne peux plus être gentille avec eux, je suis prise au piège maintenant. C'est pas vrai, Mademoiselle Suez, elle dit qu'elle est prisonnière. Et pourquoi le principal ne fait rien? Petit 7, Dewey n'abandonne jamais Sally. Petit 8, j'ai mon détecteur ADN pour qu'on découvre l'identité de Mademoiselle Chicago. Et j'ai pas de petit 9. Mademoiselle Suez est prisonnière à l'intérieur, il faut qu'on la libère. Cette valise est le cadeau de Plantier à Mademoiselle Chicago. Regarde, le logo de l'atelier théâtre. Pourquoi Plantier lui a donné des costumes de scène? Pour m'habiller. Vous préférez que je donne mes cours de mathématiques en maillot de bain? Vous débarquez ici comme des voleurs. Punition! Récitez-moi les tables de 12 à cloche-pied et tout de suite. Vous n'êtes pas une vraie prof. Vous n'avez aucun diplôme de mathématiques. Ah oui? Et comment tu expliques que tous les élèves progressent depuis que je suis là? Mais parce que vous vous servez des cours de Mademoiselle Suez. Mais on sait qu'elle est prisonnière ici. Pourquoi je m'amuserais à emprisonner Constance? Bah, j'en sais rien, mais on va savoir qui vous êtes. On a un détecteur ADN. Et avec votre cheveu, on va vous démasquer. 1 000 milliards de protons avariés. Mademoiselle Chicago a un ADN de pétrole. Aucun gène humain dans ce cheveu. Je crois pas aux aliens. Ça doit juste être ses cheveux qui sont pas humains. Avec deux rois de l'enquête comme vous, j'aurais été démasquée tôt ou tard. Mademoiselle Suez. Ça faisait longtemps que j'avais préparé mon déguisement. Vous êtes sûre de votre plan, Mademoiselle Suez? C'est la seule solution. Les élèves mettent un de ces bazars dans mes cours. Tout ça parce que je suis gentille. Dès le prochain chahut, je débarque en prof zinzin. Et là, ils vont comprendre ce que c'est que le respect. C'est comme ça qu'est née Mademoiselle Chicago. Il est peut-être temps qu'elle reparte maintenant. En plus, je crois que les élèves ont bien compris la leçon. Chicago est partie en voyage, mais moi aussi, je vais entendre les mouches voler.
sais, c'est nouveau et moche. C'est mon oncle Malcolm qui me l'a ramené d'Écosse. Tu parles d'un cadeau et je suis obligée de le porter pour lui faire plaisir. T'as eu de la chance, il aurait pu t'offrir un kilt. Pas terrible pour impressionner les criminels. Le FBI doit enquêter, urgence. On m'a réparé ma vieille veste. Et alors, c'est un délit? Un crime. J'ai fait exprès de la perdre à l'école pour que mes parents m'en achètent une autre. Et aujourd'hui, le concierge me l'a retrouvée, remise à neuf. Et tu veux qu'on retrouve qui a fait ça pour le remercier? Ça va pas! À cause de lui, mes parents ne veulent plus m'en acheter une neuve et je dois me trimballer avec cette mocheté. Oh, toi aussi, on t'a fait le même coup? Au secours, quelqu'un a tout transformé les blouses de Chimmy! Regardez! C'est du sabotage! Ça fait des jours que je ruine ma casquette pour qu'elle soit bien trash! Et voilà! On me la pique pour me la rendre comme ça! La honte! Même ma mémé pourrait la mettre! On a causé Vendée! Et ma chimie, elle est toute refaite! Stop! Je m'entends plus réfléchir! Rendez-vous dans une heure à la cafétéria pour prendre les plaintes! Au calme! 8 plaintes enregistrées. Déjà, on sait que le coupable est pas feignant. Bon, résumons. 1, ça se passe la nuit. 2, tous les vêtements customisés sont vieux, abandonnés ou perdus. Ou, comme pour les blouses de chimie, en très très mauvais état. Et sur tous les vêtements retouchés, il y a toujours ce logo cousu, un ours. C'est la marque de ce retoucheur nocturne. Un peu comme un artiste qui signe son œuvre. D'ailleurs, on devrait commencer par aller fouiner du côté des élèves qui font option art plastique. Bonne idée. Allons voir Sam. Elle est toujours en train de dire qu'on est tous habillés comme des nazes. Bon, je suis pas au courant, mais j'aimerais le rencontrer, votre retoucheur nocturne. Enfin, quelqu'un de créatif dans ce collège. Sortez maintenant, je crée. En tout cas, si t'apprends quelque chose, tu peux nous... J'ai dit dehors, vous me polluez l'inspiration. Super sympa, l'artiste. Mais je la crois. Elle avait l'air sincère et pas au courant pour les retouches. Ça veut rien dire. On devrait quand même la surveiller pour voir si elle récupère pas des vieux vêtements. C'est qui la grande avec Sam? Voilà, j'ai tout sur elle. Maria, 1m57, 39 kilos. Elle est deux classes au-dessus de nous. Spécialisation art plastique. Oh, c'est l'heure du déjeuner. Il faut pas lâcher Sam d'une semelle. C'est un bon moment pour récolter des fringues oubliées. 1000 protons moisis. Sam s'en va. Elle doit pas avoir cours cet après-midi. C'est pas aujourd'hui qu'on va la prendre en flag. Oui, mais Maria reste, elle. Allez, viens, on va la cuisiner. Salut Maria, je voulais savoir où toi et ta copine Sam vous trouviez vos fringues super cool. C'est moi qui les fais, je veux devenir styliste plus tard. Et t'aurais pas entendu parler de quelqu'un qui retouche les vêtements des élèves sans demander la permission? Si, Sam m'en a parlé bien sûr. T'assignes quoi? Désolée, c'est mes vêtements qui m'intéressent, pas ceux des autres. Elle fait une bonne suspecte celle-là. Je l'aimais plus cette vieille veste. Mais comme ça, finalement, elle est pas mal. Je vais peut-être la reporter. Tu devrais, elle est top. Moi, je crois que je vais faire exprès de perdre la mienne pour la récupérer customisée. Salut, c'est affreux. De nouvelles blouses ont été retrouvées. Bientôt, il n'y en aura plus une seule de réglementaire. Je ne vais pas me plaindre. Depuis le temps que je réclame des blouses neuves, grâce à ce retoucheur mystérieux, elles sont solides et propres. Et en plus, elles sont jolies. Toujours la même signature. Il faut trouver qui s'intéresse aux ours dans cette école. On devrait fouiner à la bibliothèque. Ça marche, je te retrouve là-bas. Mais juste avant, j'ai un petit truc perso à faire. Bonjour madame, vous pouvez nous dire si quelqu'un a emprunté des livres sur les ours dernièrement? Voyons voir. En effet, un élève a emprunté un ouvrage sur les ours et un autre, un dictionnaire animalier. Et on peut savoir qui c'est, s'il vous plaît? Bien sûr que non. Secret professionnel. Il faut absolument voir les noms sur son ordinateur. Ça peut se faire. Tu te souviens de mon film préféré, Les Affranchis du Bronx? Je vais lui mettre la scène entre petit Louis Vega et Joe la Balafre. Ça devrait l'éloigner de son bureau. Tu vas faire le boulot, mec, sinon tu vas avoir affaire à moi. C'est à moi que tu parles comme ça, cafard! Au secours, monsieur Plantier! Oups, désolé, j'avais oublié que la scène se finissait comme ça. Voilà, j'ai les noms. C'est Albert et Maria. Encore elle. C'est pas Albert, vu l'état dans lequel ça le met quand on customise une blouse. Mais Maria, son nom revient un peu trop souvent. Salut Maria! Pourquoi t'emprunte des livres sur les animaux? De quoi tu parles? Ça va pas bien? Je peux regarder dans ton carton à dessin? Stop!
mon sari, customisé. Ça s'appelle une preuve. Maria, c'est toi qui retouches les vêtements. Non, je ne customise que mes vêtements et ceux de mes copines. Pourquoi tu t'es enfuie alors? J'ai paniqué, j'ai pensé que si vous tombiez sur mes croquis, vous alliez penser direct que j'étais la coupable. Bah oui. Vous y connaissez rien, on voit tout de suite que j'ai pas le même style que votre retoucheur là. Puisque t'es si experte, tu vas nous expliquer tout ça en détail. Votre retoucheur est plus classique dans ses formes et très libre dans ses tons et ses matières. Et on dirait qu'il raffole des couleurs vives. Sa couleur fétiche, c'est l'orange. Il en met partout. Un travail de talent, mais maintenant tu as remarqué qu'il est très différent du mien. Ok, c'est convaincant. Merci, grâce à toi, on a un indice sérieux sur le retoucheur. Sa couleur préférée est l'orange. Et pour le logo en forme d'ours, t'as pas une idée? Ben, le logo, c'est l'image qui représente le styliste. C'est souvent un truc très personnel. Point positif, on a fini la journée avec deux bons indices. Point négatif, on n'a plus de piste. Salut, regarde, je viens de récupérer un vieux pull que j'avais perdu. Il est tout décoré. Et tu l'as trouvé où? C'est le concierge qui vient de me le rapporter. C'est lui qui s'occupe des objets trouvés. Ces petites frises violettes me rappellent quelque chose. T'as vu? Aucune pièce orange, c'est bizarre. On dirait que le retoucheur a entendu notre conversation avec Maria. À la cafette, il y avait Albert, Bob, Alma et nous deux. Tu oublies Carlotta? Carlotta, non mais laisse tomber. Elle a sûrement mieux à faire le soir que de rafistoler des vieux vêtements troués. On a déjà éliminé Albert. Quant à Bob, la couture, ça doit pas être sa passion. C'est pas Alma non plus, c'est elle qui nous a demandé d'enquêter. Allons voir le concierge. Comme c'est lui qui s'occupe des objets trouvés, il a peut-être vu quelque chose. Oui, quand un professeur ou un membre du personnel trouve un objet ou un vêtement, il le met dans le placard des objets trouvés. S'il y a une étiquette, je ramène le vêtement à son propriétaire. Sinon, tout reste dans le placard. Merci. Le bout de tissu sur le pull de Betty. C'est là que je l'ai vu, Dewey. C'est le même que les anciens rideaux du concierge. Vous avez fait quoi de vos anciens rideaux? Mes anciens rideaux, je les ai donnés aux personnes qui s'occupent du ménage pour qu'elles en fassent des chiffons. Merci. Oui, c'est bien ça. On s'est servi des vieux rideaux comme chiffon à poussière et je me souviens, on en avait même donné des bouts à Nounours pour essuyer ses tables à la cafétéria. Pourquoi vous appelez Carlotta comme ça? Ben, son nom de famille, c'est Bear. Ça veut dire ours en anglais, non? Donc, on la surnomme Nounours. Hier, pendant l'exposé de Maria, Carlotta avait l'air très intéressée. Et comme par hasard, ce matin, le nouveau vêtement customisé n'avait plus de retouche orange. Tu vas occuper Carlotta pendant que je vais fouiller dans sa réserve. Carlotta, je peux avoir une part de tarte aux pommes, s'il vous plaît? Ce sera tout, mon gars, parce que je dois aller dans la réserve. Je peux en avoir encore une? Je peux avoir un jus d'orange, Carlotta? Pas de chance, mon gaillard. Il n'y en a plus ici. Je vais t'en prendre à la réserve. Non, Carlotta! Oh, vraiment trop génial, cette tarte. Encore une part, please. Vous mangez le matin, mon garçon. Ça va comme ça ou t'en prendras encore une cinquième? Non, merci, madame. Ça suffit. Après, il va exploser. J'ai des super infos. La penderie de Carlotta est remplie d'accessoires orange. C'est clairement sa couleur préférée. Super, la piste se resserre sur elle. Mais c'est pas une preuve. Il faut la prendre en flagrant délit. Oh, j'ai trop mangé de tarte. Dewey, viens te cacher. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je vérifie un truc. Chut, j'entendais pas. Viens me prendre mon blazer. Tu veux pas qu'on l'arrête plus tôt demain qu'elle ait le temps de le retoucher? Oh zut, elle le remet! Viens, on l'attrape! SBI, on ne bouge plus! Je crois qu'on a trouvé notre retoucheur nocturne. C'est vrai, c'est moi. Le stylisme, c'est ma passion. J'aurais rêvé d'en faire un nouveau métier et créer ma marque. Mais pourquoi retoucher les vêtements des élèves? Pour m'exercer. J'avais fini avec tous mes vêtements déchirés. Alors j'ai emprunté les vêtements abîmés et déchirés des élèves. Et les vieilles blouses qui doivent être changées, c'est tout. S'il faut, je veux bien reprendre tous les vêtements et les remettre dans le même état qu'avant. Surtout pas. J'en connais qui les préfèrent comme vous les avez retouchés. Mais pourquoi vous l'avez fait en cachette? Bah, j'ai jamais eu la chance d'aller dans une école de couture ou de stylisme. Et je m'occupe juste d'une cafétéria et j'ai eu peur qu'on se moque de moi. Quand on a du talent, personne se moque de vous. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous fassiez un truc. Vous pouvez vous occuper de mon blazer, même si c'est pas votre habitude, les vêtements neufs. Une retouche par-ci, une couture par-là. On a découvert les créations de Carlotta. Victime de la mode, elle a ravillé toute l'école, même Dewey en raffole. Maintenant, c'est une idole. Bienvenue à tous.
collection automne-hiver de la nouvelle créatrice de mode, Carlotta Vert. Bravo, Nounours, bravo! Du Brésil en feuilles de bananier. Je sais, c'est extrêmement beau. Le jour où il se décroche, mon vœu sera exaucé. Tu pourrais demander une invention qui marche ou un vin en gym. Salut Martin, tu cherches un vétérinaire? Non, des super détectives. Voilà, je me demande si ce lapin est bien mon lapin. Depuis que j'aille à la garder, Timid est devenu tout le contraire de lui-même, une vraie boule de nerfs. Il n'aime même plus les carottes. Pourtant, on dirait que c'est bien lui. Effectivement, ça a l'air d'être le même lapin. La photo ne suffit pas, il faut analyser son ADN. En comparant l'ADN des poils de ce lapin avec ceux de ton ancien lapin, l'enquête sera bouclée en 5 minutes. Ah, achou, achou. Oh, c'est pas possible, je suis allergique aux poils de lapin ou quoi? Achou. Non, il a bousillé mon analyseur ADN. Achou. Il a fait pipi. Timide, ici, au pied sage. Timide. L'anniversaire déguisé, c'est la porte d'à côté. SBI, on a quelques questions à te poser dans l'affaire Timide. Laissez tomber, Timide n'est pas caché sous mon bureau. Je l'ai bien rendu à Martin, c'est ridicule. C'est pas vraiment l'avis de Martin. En plus, ma mère refuse que j'ai un animal à moi. J'ai eu le droit de garder le lapin de Martin une semaine, pas plus. Punaise, elle s'est fait un vrai lapin land ici. J'ai entendu, Miss Détective. Oui, j'adore les lapins. J'étais contente d'en avoir un vrai. Et alors? Ok, comment tu expliques que Timide ait complètement changé de caractère? Normal. Je lui ai fait son nid, son terrier dans ma chambre. Mais je l'ai aussi beaucoup sorti dans le jardin. Martin, lui, garde Timide tout le temps à l'intérieur. Alors forcément, en liberté dans la nature, dehors, Timide est devenu plus sauvage. Jaya, la vaisselle est triste. Elle t'attend pour être lavée. Bon, aucune trace de Timide ici. Ok, ce serait vraiment beaucoup plus pratique si on avait un détecteur de poils. Oh, mais j'en ai un là. Super modèle de luxe avec alarme éternuante. Je meurs de rire. T'aimes les carottes? Parce que je crois que j'ai trouvé mon vœu. Transformer Sally Bollywood en lapin. C'est vraiment bizarre. Aucune trace de lapin dans ce jardin. On peut être sûr que Jaya l'a jamais sorti. Mais pourquoi elle nous aurait menti? Si on ne trouve pas Timide ici, il s'est peut-être perdu ou échappé. Jaya l'aurait remplacé plutôt que d'avouer la vérité à Martin. Jaya, tu as gagné une séance supplémentaire de questions. Mais bien sûr que je vous ai tout dit. Jaya, allez, perdre un lapin, ça peut arriver. C'est du mammifère rapide. Il y a un animal qui se balade là-dessous. Il est parti dans la pièce à côté. Viens, bon. D'où il descend de là, elle va pas te manger. D'abord, t'en sais rien. Un rongeur, ça ronge. On n'est pas plus avancé. Le lapin n'a pas pu s'enfuir puisque le grenier est totalement fermé. Mais on est sûr que Jaya nous a menti. On devrait aller interroger les voisins. Ils ont peut-être remarqué quelque chose.
Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il s'est passé un drôle de truc. C'était le soir, je revenais du judo et j'ai vu Jaya qui courait en portant un lapin. Elle m'a même pas dit bonjour. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Ils sont rentrés dans cette maison au bout de la rue. Et après... Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai plus jamais revu le lapin. Merci encore! Roy Siegfried, magicien dresseur, spécialiste des animaux. Tu crois que Jaya lui a vendu Timide? Peut-être qu'il est parti avec à Las Vegas et ils ont un numéro dans un casino et on les reverra jamais. Calmos sur l'imagination, regarde. Un vétérinaire. Bon, ok, c'est sûrement la bonne piste. Oui, une petite fille avec un lapin blanc. Il nous a fait une petite indigestion de carottes, rien de grave. C'était un lapin vraiment très très sage. Le problème, c'est que maintenant, il est plus sage du tout. Vous auriez une idée de ce qui aurait pu le faire changer de caractère? C'est très rare qu'un lapin change à ce point. Je ne vois que trois raisons. Oups, attendez. Dewey, t'aurais pas un... Tiens, tu peux le garder. L'animalerie m'en a distribué tout un tas ce matin. Donc, trois raisons possibles à ce changement. 1. Modification d'environnement. 2. Stress. 3. Passage à l'adolescence. Achou! Oh, tu es allergique au lapin. Tu devrais essayer de te boucher le nez. C'est très efficace, tu sais. Génial, Sally. Super idée. Prendre Timide en observation alors que je suis allergique. Martin a accepté de nous le prêter. Désolé, mais c'est le seul moyen de tester les hypothèses du veto. Et puis franchement, ça te va super bien, la pince à linge. Te voilà dans un nouvel environnement. Voyons si tu changes de comportement. Et si Timide la terreur redevient Timide le calme. Eh ben voilà, explication toute bête. Changer de maison t'a perturbé. Oh non, Timide! Timide, reviens tout de suite. Bon, ok, ça va, j'ai compris. Tu l'as même pas fait exprès, c'est ça? On va savoir si tu fais toutes ces bêtises quand t'es stressée. Désolée pour le cauchemar spécial lapin. Aucune angoisse, super. On va essayer autre chose. Dernière expérience. Si t'es devenu un véritable ado comme ceux que je connais, tu vas adorer ça. Attention, ça va faire J'adore mal. J'adore quand je fais vibrer ma cithare. Écoute ce son, Indy, c'est fantastique. Stress, ok, t'es encore un gros bébé lapin. En revanche, je suis sûre et certaine d'une chose, tu n'es pas le lapin timide. Sally! Sally! On va enfin connaître la vérité! Le matériel ADN est réparé! Bravo, génie, mais ça sert à rien. Je sais déjà que ce lapin n'est pas timide. Bah, ça coûte rien d'avoir une petite preuve scientifique en plus! C'était le coussin de Timide avant qu'il aille chez Jaya. Le nouveau Timide, maintenant je l'appelle Bisou, n'a jamais voulu se coucher dessus. Impec! On va comparer les deux sortes de poils et on saura scientifiquement si c'est le même lapin. Ça y est, j'ai trouvé mon vœu. Devenir le détective du siècle. Détective ou scientifique? Ou les deux? Dewey, prix Nobel des enquêtes et inventions, ça le fait. Salut Dewey, je viens voir si vous avez avancé. Vous avez trouvé des preuves qui m'innocentent? Ça m'intéresse. Justement, tu tombes bien, je suis en plein préparatif de l'analyse ADN. Tu vas voir le résultat en direct. Ici, les poils de Timide numéro 1, et là, les poils du Timide Super Turbo rebaptisé Bisou. Je les place dans mon extracteur d'ADN et... Achou! Pas de soucis, je les ai. J'arrive à rien avec ces éternuements de mammouth. Attends deux secondes. Mission terminée, Sally. L'analyse ADN des deux lapins confirme qu'ils ont la même empreinte génétique. En clair, Bisou et Timide sont un seul et même lapin. C'est impossible. Tous les tests de comportement ont prouvé le contraire. En tout cas, ça prouve que j'ai pas menti. Je cours le dire à Martin. Tu peux me redire ta phrase compliquée sur l'ADN, là? L'analyse ADN des deux lapins confirme qu'ils ont la même empreinte génétique. T'as vu? Elle a exactement le même crayon, celui qui vient de l'animalerie. Et si elle avait acheté un autre lapin là-bas? Pff, n'importe quoi. Résigne-toi, Sally. L'analyse ADN, ça ne ment pas. Une preuve qui ne tient qu'à un poil, moi, ça ne me suffit pas. Laisse-moi deviner, mademoiselle anti-science. Tu veux faire une promenade à l'animalerie? Pas question que je mette un pied dans ce repère de bestioles allergisantes. Achou! Mais oui, tu crains rien avec ton équipement. Waouh, Timide a plein de frères jumeaux ici. Jaya n'avait que l'embarras du choix. Les caméras de surveillance? Mais oui, t'as raison, elles ont dû enregistrer son passage. Maintenant, comment on regarde la vidéo avec ce caissier planté là? Des lapins! Ils courent partout! Ah, au pied les bestioles! Ici, ta poêle! J'ai dit ici! Il faut remonter jusqu'à hier ou avant-hier, juste avant que Jaya rende le lapin à Martin.
Vite, avance la bande. C'est Bisou, il embrasse tout le monde, c'est son truc. Et stop, qu'est-ce que vous trafiquez avec mon poste tous les deux? Ah maman, un alien. C'est n'importe quoi. Pourquoi j'aurais acheté un lapin à l'animalerie? Parce qu'à mon avis, tu as gardé le vrai Timidici chez toi. Ce qui serait pas étonnant vu comme tu adores les lapins. Mais vous avez déjà regardé, vous n'avez rien trouvé. Tous mes lapins sont ici, en peluche. Ok, alors maintenant, laissez-moi tranquille. 2 secondes, stop. On va juste essayer autre chose. Timide, viens chercher la carotte, viens Timide. Il est vrai? Oh non, mon Timide. Il est tellement mignon et sage. Ma mère ne s'est même pas aperçue que je l'avais. Je pensais que Martin tomberait dans le panneau avec l'autre lapin. Seulement voilà, Martin connaît bien son lapin. Il va falloir lui rendre. Tu ne crois pas? Ce qui reste un mystère, c'est cette analyse ADN. Parce que finalement, il y a bien 2 lapins. C'est moi qui ai embrouillé le test. Je suis vraiment désolée. J'ai eu un gros coup de foudre pour ce bout de chou et je suis super triste que ça ait gâché notre amitié. Au revoir, Timide. Jaya, attends. Si tu l'aimes tant que ça, il y a peut-être une solution. Si ta mère est d'accord, il pourra rester de temps en temps chez toi. Et toi, tu pourras lui rendre visite tant que tu veux. C'est vrai? Oh, c'est cool. Tu es vraiment mon meilleur ami. Ok, à faire des lapins clapiers. Classés. Attends. Tchou. Oh, je comprends rien, cette allergie me lâche pas. Il y a pourtant pas de lapin par ici. Tchou. Hey, yes! Mon bracelet est cassé! Il va exaucer mon vœu! Vite, faut que j'en fasse un! Je souhaite être débarrassé de cette allergie! Ça marche! Sally, j'ai plus le nez bouché, je respire, je me sens bien! Mais alors, c'est du sérieux ces bracelets magiques! Et si je me l'attache, tu crois qu'il réalisera mes... Hey, mais saleté de bracelet, c'est lui qui doit nous faire éternuer! Sally, on est allergique au bracelet! Mais non, patate, aux feuilles de bananier. Impec, second mystère résolu. Sa vie détective sans peur.